Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec nous, avec Myriam. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment très particulière. Ce soir, il va y avoir une dinguerie. Mais là, dans mon dos, j'ai mes baskets de light dans le dos. Je suis vraiment très content. Vous allez les voir en avant-première. Vous êtes prêts? Je sais qu'à t'aider. Mes petites baskets, je vais acheter un petit jean avec une petite gel là. Non, je rigole, ça va monter. Je sais qu'à t'aider. Arrête, il y en a qui mettent des bananes de saga, des gros pneus là, ils croient, c'est joli. Hey, c'est éclaté. Je t'ai éclaté le pied. Ah bien, bon bah allez c'est parti. Tu fais quoi là avec ton sac de ballon? On va faire un foot. Il est 14h, c'est le ramadan, y'a quoi dans ton sac bleu là? Y'a quoi? Y'a mes crampons et... Non mais ça c'est pas ce que tu crois. T'es sûr que tu fais le ramadan avec ta bouteille d'eau toi, espèce de menteur? Tu m'as pris pour qui? Viens, on y va. On est allé au stade ce fou là. Et tu sais quoi, pour la peine, si je t'ai pas au crossbar, tu manges plus des légumes ce soir. Et c'est raté. Yes. Y'a pas de frôlé, je sais pas quoi là, c'est le ramadan, celui qui ment, c'est pas bien. Non, il est pas mentir. Voilà, c'est bien. Caca. Ah, vas-y, va te faire foutre. La dernière. Allez, t'es nul. Yes, ça. Dans tous les cas, il va rater. Donc... Ah, vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon. J'arrête de filmer. J'arrête de filmer, j'arrête. C'est bon, on peut rentrer, allez, on y va. On va perdre comme ça. On va faire du vrai football. Ça, c'est pas du football ce que t'as fait. On a deux frappes chacun, celui qui met les plus beaux buts, les abonnés, vous votez dans les commentaires. Ils remportent le défi. Parce que les crossbars, c'est pas du. Moi aussi, je peux rien. Vas-y, Younes, si on fait un défi tour du monde, je vais te battre, tu vas en faire 8, tu vas en faire 1. Non, c'est pas du bon, football ça, les gars. Du vrai foot. Allez. Un caca. Ok, première frappe. Oh, le gamin, la deuxième, elle est exceptionnelle. La deuxième, elle est moyen quoi. Lucas. Ça c'est une lucarne. Lucaire. C'est le ramadan. Non, regarde pourquoi c'est une lucarne. T'as vu les filets comment ils sont bas? Ouais. La lucarne elle est descendue un peu. Du coup j'ai visé un peu plus bas pour mettre la lucarne. Regardez comment il court, c'est sûr il jeûne pas lui. Pas possible de courir aussi vite. Pour chercher les balles. Normalement t'étais épuisé avec Monsieur Soleil. Regardez. T'as bu? Hein? T'as bu de l'eau? Oui. Quoi? À 5h du matin. Hein? Allez c'est parti. Ah bien. Yes, là, c'est là, elle est meilleure que ma première celle-là. Mais pas meilleure que ma deuxième. Ouais, mais dès que tu m'as dit hors 4, tu m'as triste. De toute façon, là, j'ai plus rien à dire. Là, si tu mets pas une meilleure que ma deuxième, c'est fini Topipo pour toi. Elle est belle, elle est douce. Elle est belle. Votez dans les commentaires, vraiment, t'es passé le ramadan. Ouais, votez, mais ils vont pas voter pour une frappe à côté à hors 4, frère. Vas-y, ouais. Regardez, le malade. A few moments later. Pour une fois, j'ai une surprise pour Younes, on va aller le voir tout de suite. Tu fais quoi là? Pensez à cette fois où tu m'as filmé au grec, comment c'était bon. Oh là là. Younes qui fait le ramadan, regarde cette vidéo. Vas-y, mange. Ah non, mais là je fais pas le ramadan. Hein. Non, mais genre quand tu feras le ramadan, je te montrerai cette vidéo. Pour manger une frite, il faut tremper dans le ketchup. Embrasse-toi. Fais le tour des crocs là, fais le tour des crocs là. Il tape des bons grecs. T'as pris quoi? C'est quoi ta compo toi, Alexis? Il a des problèmes dans sa vie en ce moment. Ouais, mais c'est ce qu'il disait sur le terrain, ouais, mais j'ai des problèmes. Si t'arrives, Alexis, il paye des loyers. Il paye des loyers. Toi, c'est quoi ta compo? C'est ramasser un petit compte. Moi, c'est salade. Ouais. Faut pas demander. Salade, c'est moi de mayonnaise. Mayonnaise? Ah, bien. Ah, oui, c'est vrai. Ah, j'ai une surprise pour toi. Ah, ouais, c'est quoi? Tiens. Yacine, s'il te plaît, me dis pas que t'es en train de filmer. Si, ça filme. Filme pas mes pieds, s'il te plaît. Ne filme pas mes pieds. Pourquoi t'as mis des chaussures? Mais Yacine, maman, elle va me tuer. Maman, je viens de rentrer et voilà. Désolé, maman, c'est le ramadan, faut pas s'énerver. Oh! Me dis pas que... Non. Enfin, après un mois. Ah, vas-y. Oh yes, merci. Enfin les gars, enfin je peux rejouer, j'avais pas de manette depuis un mois. Avec les palettes de tricheurs, là j'ai pu recevoir ma manette, elle est magnifique, merci Yacine. Au moins tu vas pouvoir live à ma place vu que moi je peux plus live, je suis un peu malade. Ouais il est un peu malade. Et... Donc tu vas pouvoir live à ma place non? Ouais. Ça ira? Non, elle est pas super belle les rails, regardez. Ah je kiffe, et derrière les petites palettes. Allez on va jouer à la play. Alors pour manger ce soir, écoutez bien l'idée. Je vais aller sur YouTube, je vais taper dégustation ou dîner ramadan, peu importe. Je vais demander à Myriam un numéro au hasard. Et le numéro qui va tomber, eh ben, je devrais manger tout ce qu'il y a sur la miniature. Ça va être incroyable ça.
Myriam la geek. Pourquoi tu fais genre tu joues, il n'y a rien sur l'écran. Donne-moi un numéro s'il te plaît. 5. Numéro 5. Vas-y. On est sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Allez, on va écrire dîner ramadan. Let's go. Entrée. Alors le numéro 5, les reilles, qu'est-ce qu'on va manger? 1, 2, 3, 4. La dernière, ah là là là, je sors un bon truc. 5. Ah, c'est Adem et Bilal. Alors on a des tacos, croque-monsieur, smoothie, briques, fraises. Et comment ça s'appelle ce truc là? Zlabia. Les amis, nous sommes dans le rayon gâteau arabe. Il n'y a pas de Zlabia comme la miniature de Adem et Bilal, regardez. Je suis pas un tricheur. Donc faut qu'on prenne autre chose. Je ne vais pas prendre de gâteau, il y en a trop parce que je vais tout manger encore. Donc je vais prendre une boîte, soit je prends ça, des cornes de gazelle, soit je prends des baklava à l'amande, ou soit je prends ça, des parpaings d'autoroute. Je pense que je vais prendre des baklava comme ça. Les gars, je voulais vous prévenir, les Kinder en ce moment là, les trucs comme ça, tout ce qui est Kinder, évitez parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la salmonelle, je crois. Je sais pas si c'est vraiment vrai, c'est mon petit doigt, il m'a dit. Des fois il dit n'importe quoi, des fois il dit la vérité. Donc évitez de manger du Kinder en ce moment, il y en a qui sont contaminés. Et la salmonelle, ça fait une sorte de diarrhée, donc moi je vous dis évitez. Aïe aïe aïe, CE2 mon gars, CE2 mon gars. C'est ça champion. Oh. T'en veux? J'ai pas le droit Myriam, tu sais très bien. Si t'en veux pas. Tu sais très bien que j'ai pas le droit. T'es ça là? Mais mets un coup de coussin. On va préparer le ftol les gars parce que ça m'a commencé à donner faim. Et on est en train de préparer le ftol de Adem et Bilal. Donc regardez la garniture du tacos que je suis en train de faire. Je suis en train de faire de la viande hachée. On va ajouter des lardons directement. On va bien laisser ça cuire. Et j'ai acheté ça à la boucherie tout à l'heure. Ils ont inventé la nouvelle sauce fromagère spéciale au tacos. Attends, tu testes tout en fait. Je teste tout. Moi, mon corps, c'est une expérience sociale. On continue de cuire ça tranquille. Viens voir comment c'est beau. Après, ça va devenir grave. A ton avis, Yassine, je mets ça directement dedans ou alors ça, je mets ça dans le tacos? Directement dedans. Okay. Tu penses? Ouais. Qu'est-ce que c'est donne? Ça a l'air bon. Alors, on en met juste un peu comme ça. Après, on va en remettre. Oh, ça sent le fromage! C'est du fromage, les gars! Ah ouais? Oh, c'est du fromage! Oh, je suis trop content! Du fromage qui fond! Ah là 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 là! Va faire. Alors je commence par mon tacos les amis, on prend du boursin, un bon fromage boursin, on l'étale. Ok, vas-y. Je peux savoir si c'est bien aussi? Ouais, toi t'as ton cordon bleu. Ensuite on prend de la sauce algérienne, on vient mettre ça comme ça. Ah okay. Mamacita. Moi, je vais commencer par ça. Il va être méga balèze. Moi je vais commencer par ça. Téma frère. Ok, ça c'est un. Mais en pas trop. Hein. Ouais. Après, faut l'étaler. Oh là 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 là. Ah, j'en peux pas. Maintenant, faut bien l'arranger. Il va être super balèze. Bon, pour l'instant, le mien, ça donne ça. On va venir rajouter, ah, les amis, pas de crème un fraîche. Tout petit peu. Arrête de pommes de terre ici. Et on vient mettre de la sauce fromagère. Ah, c'est pas une course. Hein? Younes, c'est pas une course. Mamacita. C'est pas la course. Voilà, comme ça. Eh, mais laisse-moi de la sauce. Hein. Ça sera bien fondant. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais tu crois que c'est de l'eau? Mais t'en as mis trop. Oh, Myriam. Là, tu fais monter ma tension. Oh, le fromage, il dégouline. Regardez ce qu'on va faire maintenant à cause d'elle. On doit faire aussi des croque-monsieur. Arrête, c'est pas de la confiture. Si. Toi, tu fais n'importe quoi, vraiment. Adem et Bilal, ils vont pas être contents, là. Désolé, Adem et Bilal, ma soeur, elle fait n'importe quoi. C'est bon, là, t'en as assez. Comme ça nous fera nos croque-monsieur. On passe au croque-monsieur, les amis. On va partir sur un morceau de poulet. Oh. Un morceau de poulet comme ça. On prend un fromage bio. J'ai jamais testé fromage à burger dedans. Et on va remettre un poulet comme ça. Avec du boursin là-dessus. Moi, je fais rien. Toi, tu te débrouilles. C'est le ramadan. Je suis fatigué. Tu fais tes propres recettes. Voilà. Après, Adem et Bilal, on va faire la suite. Et on se retrouvera pour le ftol.
L'heure du photo est arrivée, on essaie de respecter au maximum tout ce qu'il y avait dans la miniature. Ouais. Si vous trouvez qu'on a bien respecté, bah vous nous mettez un pouce bleu, sinon bah vous mettez un pouce bleu, comme ça vous n'avez pas le choix. On a les tacos, les croque-monsieur, la soupe, feuilles de briques, les fraises, juste ça les labias, on n'a pas pu. Miriam, je vais te demander un truc, qu'est-ce que tu détestes toi dans la vie? Un truc que tu détestes, la première chose qui te vient en tête là, maintenant c'est quoi? Les légumes. Les légumes, tu détestes. Moi je déteste les gens qui font ça. Ah, j'ai envie de... Non, moi j'aime pas les gens qui mangent dans mes oreilles. Bah c'est ça. Ah, on commence par les tacos. La soupe est super bonne. Ah, des mébiles, je vous ai bien respecté. Hein. Vous vous rappelez quand c'était la mode des hauts tacos? Qui on allait manger ça? Alors. Regarde le mien par rapport au chien. Et bah c'est toi aussi, tu l'as refermé. C'est pas moi qui l'a refermé. Vas-y, go. Il y a de la crème qui va dedans. T'en dis quoi de la sauce fromagère? Elle est grave bonne. Ça passe, hein? Franchement, ça passe. La sauce fromagère, elle est hyper bonne. Viens voir comment c'est à l'intérieur. Mon nouveau combo, ça, j'ai trouvé. Regardez. Lardon viande hachée sauce fromagère. C'est archi bon. Par contre, lui, il a pris tous les lardons et là. Moi aussi, on voyait un croc dans le croque-monsieur. C'est vrai que leurs photos, ils étaient incroyables. Hein. Quand je regardais leurs vidéos. Tout ça, je me disais comment ils font pour manger tout ça, mais c'est vraiment incroyable. Waouh. Tape-nous un vrai croc. Toute la journée, on a attendu pour manger, Wallah. C'est quoi? Ah ouais, ça haftol comme, j'ai oublié de le dire. Alors? C'est grave, bon. C'est incroyable. Je voulais juste tester la sauce fromagère dans les frites pour boire. Bismillah. Moi, je vais tester la sauce fromagère dans les feuilles de brie. Ah ouais, mais je devais faire un régime. Merde. J'ai oublié. Du coup, ouais, ça compte pas si j'ai oublié. Si. Oh merde. On va faire crari. Hein. Pour le régime, manger des fraises, les gars. Il n'y a pas de calories dedans. Wesh, doucement. Tu vas te transformer en Miriam la grosse. Je goûte un peu tout. Après, je mangerai tranquillement. On a les gâteaux Jamila. Imagine ta femme, elle s'appelle Jamila. Jamila! T'as tout mangé! Ça, c'est trop big. Le gâteau, il est big, frère. Il y a grave du sucre. Comment tu sais? Parce que j'ai évité. Vas-y, on y va. Waouh, ouais, j'avoue, elle a raison. Hein. Attends, juste... T'es mal, le miel et le sucre, frère, c'est quoi, ça? Ah, c'est vraiment quelque chose. Tu mâches dans mes oreilles. Je suis désolé. C'est vraiment quelque chose. Miriam goûte. C'est vraiment incroyable. Wow. Le taux de sucre qu'il y a dedans. Ouais, mais arrêtez de faire les mecs comme ceux qui font des vidéos. Ils sont au McDo et disent oh là, le burger il est gras. Tu vas au McDo. C'est normal, c'est gras. C'est normal, c'est sucré. C'est pas incroyable. Ouais, j'arrête de faire ça. Calme-toi. Alors? Elle a plus de passe dans la bouche, Miskina. Voilà, bon, on va vous laisser là. C'est l'avant-dernier vlog du Ramadan. Il en restera encore un dernier, je pense, parce qu'il reste plus beaucoup de jours. C'est bientôt terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et nous, on va manger tranquillement. Ouais. Allez, ciao, la mif. Ciao.